monde, c'est Sangotra et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur notre base de Felicia. Pardon, notre update 3 de la base sur Felicia. Alors, j'ai pas mal réfléchi à cette base et finalement, j'ai tout pété. Parce que ça me plaisait pas beaucoup ce qu'on avait fait. Enfin, du moins, j'ai trouvé un petit peu mieux, je pense, comme design. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, déjà, il y a un truc qui est apparu au fond. Enfin, ce qui n'était pas avant dans la base. Donc, voilà. On va commencer la présentation dans quelques minutes. Juste, j'ai vraiment rien gardé de l'ancienne base. L'hangar a disparu, la porte coulissante aussi. Mais j'ai fait une base un peu plus design, un peu plus végétale. En fait, j'ai vraiment rajouté, vous verrez, pas mal de trucs comme ça. Voilà, donc pour l'instant, on a juste le premier étage qui est à peu près fini. Pas totalement. Il faudrait que je le finisse encore un peu, mais. Mais voilà. J'ai pas encore fait le deuxième étage, ni le toit final, ni le champ de bataille qui normalement devrait se trouver par ici. Donc voilà, donc ça c'est pas encore fait. Alors je vais vous présenter la base. Donc comme elle est maintenant. Donc là voilà, elle est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là quand on rentre, donc ça c'est l'entrée principale, en fait il n'y aura pas de porte. Donc c'est un petit avant-poste camouflé, hein. Vous verrez. Donc on rentre dans le hall, enfin dans une sorte de hall. Et donc on a à droite, ici, une grande baie vitrée où on peut voir toute une salle que je vous présenterai après. Et là, on a un mur avec des petites vitres à certains endroits. Au fond, on a un couloir avec. Donc là, là-bas, il y a de la porte vitrée ici. Voilà. Et là, il y a une entrée. Donc, ce couloir, en fait, c'est le couloir principal de la base. Comme vous pouvez le voir. Donc, il relie à cette porte-là et à cette porte-là. Donc, ici, on a l'armurerie avec un clone qui est couché. Donc, j'ai tourné la base pour que vous puissiez me voir, ce sera mieux pour vous. Voilà. Alors, avec un clone qui est couché. Donc le lit en fait peut se replier. Voilà, comme ceci. Bon, pour l'instant il n'est pas totalement fixé. C'est juste là pour l'instant c'est pour moi me donner une idée de la décoration. Mais voilà, c'est un lit qui fonctionne comme ça. Voilà, assez basique. Ici vous avez un petit truc de médoc. Donc un bleu et un vert. Ici vous avez l'armurerie, donc la salle, une des salles les plus importantes, pardon pour mon doigt. Donc là vous voyez il y a deux vitres hein, qui séparent les deux salles. Donc avec par exemple un clone commandant, un pilote, je crois que les jaunes c'est les pilotes, qui prend un fusil sniper, donc il y a des accroches pour les fusils sniper. Là il y a des ranges casques dans les boîtes. Et ici des barils où on peut mettre des armes et des caisses. Donc là vous avez l'entrée au couloir. Voilà. Le couloir qui se prolonge ici. Donc là, c'est la sortie. Donc derrière le couloir, c'est de la vitre. Hein. Voilà. Et ici, vous avez donc la dernière salle. Donc là, la porte. Hein. Et la dernière salle. Donc c'est la salle des commandes. Ici, vous avez le premier ordinateur, donc deux clones qui sont sur des ordinateurs avec des manettes au milieu. Et là, il y a des boutons, il y a un bleu, il y a un rouge et un gris. Je vais essayer de enlever un pilote, un clone. Voilà. Pouvez voir, trois boutons, bleu, gris et rouge. Donc pour allumer et faire des trucs sur l'ordinateur. Ici, vous avez une table de champ de bataille holographique que je trouve vachement bien faite. Donc ces petits ronds bleus sans picou, ce sont des. C'est la rivière. Donc on fera une rivière sur notre champ de bataille. En rouge, ce sont les ennemis. En bleu avec des picous, ce sont les troupes alliées. Et en bleu, les points de bleu, c'est la base. Donc vous voyez là, les 4 ailes. Enfin, les 2 ailes, plutôt une et deux. Donc c'est ça. Et ça. Et le fond, voilà, c'est ça. Et en vert, donc tout ce qui est en vert, c'est la végétation. Donc voilà. Donc vous avez ici Commandant Cody. Je vous ai juste mis des petits personnages, hein. Commandant Cody et deux autres clones. Et enfin, la dernière salle, c'est. Enfin, le dernier ordinateur, c'est un ordinateur de visée. Donc, on fera une tourelle sur un toit supérieur. Une tourelle anti-aérienne. Voilà, et elle se pilotera à partir de ce truc. Donc, la décoration à l'intérieur n'est pas terminée. Hein, parce que je vais décorer quand même tout ce hall et tout ça.
Mais dans la prochaine update, je pense qu'on je vais là je vais m'attaquer au toit. Et puis on verra ce qu'on peut faire et bah comme toi. Et j'ai un petit projet qui m'a l'air assez sympathique. Donc je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très très plaisir. Lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, à plus. On se retrouve très prochainement donc pour la suite. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à ce moment-là, ça me fait encore plus plaisir. Ah, donc ça fait aussi que nous suivre juste à sur faire Twitch, du à m'envoyer des team mails en sur oral, votre mais en mail, tout ça, inside. c'est dans la description. Tandis que sans votre aide, c'est moi, on fait que Et puis, de bah l'inside, voilà. c'est bizarre. Juste